Pierre Fauché est le fondateur de la sucrerie de la montagne à Rigaud, à l'ouest de Montréal, et de la cabane à pierre à Frampton, en Beauce. À 21 ans, il prend sa retraite et, avec peu de moyens, il visite le Canada, traverse l'Europe et l'Afrique. Cinq ans plus tard, à son retour, son père décède et sa peine est grande. Grâce à son ancrage dans les traditions, Amoureux de la liberté, des voyages et de la terre, il fera de ses sucreries des entreprises reconnues internationalement. Pour y arriver, il devra traverser un long chemin de labeur. Cette route, il l'entreprend en démissionnant de son second emploi sans savoir ce qu'il fera dans la vie. Voici la suite de l'extraordinaire histoire de Pierre Fauché. À toutes les fois que je, mettais, je me mettais devant les connus. J'ai découvert de belles choses, de, beaux, de, beaux, de belles situations. Alors, j'ai travaillé, euh, c'est long, c'est long. J'ai fait n'importe quoi pour payer mon loyer, j'ai juste travaillé dans la construction, travaillé dans l'immobilier, travaillé dans n'importe quoi. Après, j'ai ouvert un, un magasin de jeans à Rigaud. J'avais, j'avais mes amis avait dit Va me trouver un, un terrain dans la campagne. Et puis, euh, je, je, je découvre un beau terrain pour, pour lui qui achète. Il ne voulait pas l'acheter. Il était pas cher, puis moi, je l'ai acheté. Il y avait sept arpents à bord de Rivière. C'était magique. J'ai ouvert un petit. Euh, dans Rigaud, j'ai ouvert un petit magasin de linge, de jeans, de fashion. Hey, ça passait, on faisait, on faisait des bonnes ventes. Là, sur mon terrain, j'ai voulu bâtir une maison en, en, en bois Un monsieur est venu m'aider à bâtir ma maison en Boiron. Je déménage, j'avais pas fini mes galeries avant-arrière. Monsieur dit Hé hey, Pierre, viens m'aider à faire le sirop d'érable pour, pour, pour le prochain. « On va venir t'aider tes on va s'échanger du temps. »« Ah oui? »« Avec plaisir, M. Séguin, je vais y aller. » Ça, ça se passe à rigaud. Donc là, euh, dans le temps de ceux qui arrivent, je vais m'avoir tailler les Arabes avec lui, je vais avoir va courir les Arabes, ramasser l'eau, il y avait 3500 entailles, Ren, rentrer le bois, bouillir avec M. Séguin. Ça file, ça pue. Je faisais des journées, là, dans mes journées de congé, je faisais 10, 12, 14, 15 heures. Je disais, ma soeur, « Mais fou! » J'avais 30 ans. J'avais 30 ans, plein, plein d'énergie, plein de tout. Puis le, le plaisir de travailler dans l'érablière, je ben me wow, quelle belle découverte. Le printemps terminé, euh, M. Séguin a fait une super récolte. M. Séguin était un petit peu maussade parce qu'il voulait, il voulait... Qu'est-ce que vous avez? On a fait une bonne saison, M. Séguin. Mais c'est Pierre. faut ce que je repose mon sirop d'érable? Mais je, 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 je suis un vendeur. Mon, mon, ma job, c'est vendeur. Comment tu veux ton sirop? Je vais aller le vendre en ville. Oui, on donne. Ça fait que je vais vendre le sirop en ville, le, le montant vous la vendre. Et puis, euh, et puis, a des clous dans ma galerie. J'ai dit, Monsieur Séguin, si jamais votre ferme sera à vendre, je serai acheteur, si c'était possible. Monsieur Séguin était dans la soixantaine d'avancées. Et il me répond, mais Pierre, ça fait depuis Rigaud et Rigaud, 200 ans, qu'il est dans la famille. Et puis j'ai huit enfants. Alors rien, ok, j'en parle plus, on n'appelle pas. C'est correct, on continue à travailler ensemble. J'ai passé l'été à faire du bois avec lui. Tout mon temps, tout mon temps de congé dans de mon, de mon, de mon commerce, j'allais faire du bois de chauffage, j'allais faire le bois de cabane. Je travaillé avec M. Séguin, C'est un homme, un paysan comme mon papa, qui était vraiment un homme fort. Un homme déterminé avec qui j'aime bien m'associer. À Noël, M. Séguin réserve une très belle surprise à Pierre. Surprise qui changera sa vie à tout jamais. Noël arrive, je l'invite à manger chez moi, Noël. Il me fait un beau tisannier lui-même avec un bel beau que j'ai encore d'ailleurs. Gros comme ça, le tisonnier. Merci beaucoup, M. Séguin. Ah, j'ai d'autres choses pour toi, Pierre. Il y a d'autres choses pour toi. Ah ouais? Je regarde dans son camion, ça va peut-être faire une armoire. Non, non, Pierre. La terre à bois est à toi. On va parler de prix après fête. Donc là, on a parlé de prix après fête. J'ai appelé mon gérant de banque. Mon gérant de banque est venu voir la place. Il dit, Pierre, ça n'a pas de bon sens. » Sur quoi je te veux quand je prête? Il n'y a rien ici. Mais c'est des, des érables. Euh, il y a des chèvres. Il y a un fire mall de 1946. Il y a un bulldozer là, de la même année pour faire, les, pour faire les pistes dans le bois. Il y a une cabane, à, une cabane pour à sucre, puis il y a une cabane pour faire à manger deux poils à la bois. 40 personnes assises. Voyons donc, il faut faire de l'argent la, avec ça. Et ça et ça coûte c'est des érables, un peu comme des vues pour faire la morale, tu sais, il, il fait moins 15 ans il fait beau soleil, il se casse un erreur, puis il dit « Pierre, Pierre, moi te financer des blocs appartements dans l'ouest de Montréal. Dans 15 ans, dans 10-15 ans, tu vas être riche. » Mais je lui ai Écoute, je n'en veux pas de bloc appartement, je veux avoir une cabane. <laughs> » <laughs> fait que finalement, ça s'est passé, euh, on a passé le contrat, machin. On signe le contrat chez le notaire. Le prêt était correct parce que il, monsieur Séguin ne demandait pas marémonde monde pour la cabane. Faites fait une saison tant des siècles. Ah, c'était le fun. Cristique, c'était le fun. Mais là, le, pla le, le plaisir est fini. On à la fin d'avril. Il faut fermer la cabane. Il faut laver les chaudières. Euh, on remise tout. Et puis là, on, on attend le printemps prochain. Donc là, je me suis dit ce ah, sera le fun d'ouvrir la cabane à l'année longue quand même. Alors, j'essaie de découvrir l'industrie touristique, mais l'industrie touristique, réceptive, à cette époque, je ne connaissais rien là-dedans. Mais je ne connaissais absolument rien. Alors, je me suis dit, mais habillé un peu comme moi, comme je suis habillé euh, présentement avec euh, mes bretelles et mes chemises d'antan, euh, Je m'en vais à Tourist-Québec. Je m'en vais à Tourist-Québec, euh, je suis euh, connu à port, puis je la demande à, à, à parler à la fille. Euh, à parler. Euh, à parler euh, euh, au directeur du euh, développement touristique euh, international. Les gars, ils sortent, ils sortent pour me rencontrer. Ils ne m'invitent même pas dans le bureau, ils me rencontrent dans le passage. Puis ils me disent Écoute-moi bien. Ils me regardent, ils me regardent. Écoute-moi bien. Ils disent Des habitants, on n'avait pas dans l'industrie touristique. Hey, je n'étais pas content. Je, 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 comme, tout m'a monté, les m'a m'ont monté, je dis, oh! Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je retrouvais à mon truck, dans mon, truc, mon pick-up blanc et rouille, parce que dans ce temps-là, je n'avais pas un gros pick-up. Je commence à penser habitant. Je suis un habitant. Ah ben. Pierre Fauché ne se laisse pas démonter pour autant par ce fonctionnaire. Pour lui, ce n'est qu'un défi à relever. Je vais aller voir le ministère de l'Agriculture. Je vais demander à parler à la direction. Je dis Mon nom est Pierre Fauché, je suis un habitant, un habitant de Rigaud et j'ai une cabane à sucre. Ah, oh, un instant, M. Fauché. À la direction, elle va vous rencontrer. La direction vient de me rencontrer c'était une, une madame, une jolie madame qui habitait Hudson, juste à côté de Rigaud, qui euh, est venue voir ce que j'avais fait. J'avais fait la cabane initiale, j'avais fait un petit rallonge traditionnelle avec du bois de grange. Ah, oh, oh, ça c'est magnifique. Ça c'était un précurseur. C'est ça qu'on veut faire. Montrer, montrer l'agriculture au Québec, la base, la vie au Québec. On peut travailler ensemble, Pierre. Elle a fait, fait travailler au, sa au, salon, euh, au salon de l'agriculture, euh, au salon de olympique de Montréal. J'ai fait une cabane à sucre. On a servi des milliers de personnes dans, le, dans les dix jours. Assez d'argent pour que je me construise euh, la cabane à sucre et la boulangerie à l'escalier de la montagne. Euh, parce que j'ai mis la cabane à sucre à, à part de la salle à manger pour que ça soit plus, plus, plus accessible pour les clients. Je vais continuer. Euh, ma, ma, la madame, clients, m'emmène des clients, clients puis elle m'appelle une fois, elle me dit, hey « Hé Pierre, j'ai 60 critiques astronomiques américains qui veulent venir te voir, qui veulent venir finir leur voyage au, au Québec chez toi. Je te les amène. » Ah bien, super, merci beaucoup. Bien moi, moi je, je me suis dit, ils ne savaient pas critiquer ma cabane quand même. Ils sont allés dans les grands restaurants de, du Québec et tout. Euh, moi, moi, je suis juste, « Ils vont finir leur voyage chez nous, c'est tout. » Bah, bon, je fais le pain, je fais le pain sur le feu de bois. Euh, je prépare la cuisine. J'ai une fille qui travaille avec moi parce que je n'ai pas beaucoup d'argent pour payer mon staff. Le tocard est une demi-heure sur le de bonheur. Ah ben, sacre bleu, une demi-heure puis le bonheur. Ah ben, je cours vite à Boulanger chercher le pain. Je ramène le pain, j'ai plein de pain dans mes bras comme ça. Puis là, les photographes, clic, 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 clic. Stop, stop! Stay there, Pierre! Stay there! Clic, 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 clic. 60 premières pages dans tous les journaux américains, inclus New York Times. Wow! Fait que là, je prends ça, je prends, la, je prends les 60 premières pages. Puis là, je m'en vais à Touriste-Québec. Je m'en vais à la gauche, je me suis de son nom. Ça s'appelait Denis Gosselin. Je disais, j'aimerais ça rencontrer Denis Gosselin. De la part de Pierre Fauché, l'habitant. <laughs> monsieur Gosselin, il voulait pas me voir. Je ne pas le voir, ce gars-là. Mais je dis, dit, moi, je vais le voir. Alors, je faisais, je faisais une mise en scène théâtrale. J'étais pas choqué. C'est une mise en scène pour le plaisir. La, la, la revanche est douce. Alors, j'arrive avec mes 60 premières pages, puis je montre ça à des Gosselin. C'est ça que ça fait un habitant dans l'industrie touristique, mon vieux. Alors, il y avait un monsieur marin euh, dans les, de, de Tourisme Québec à l'époque. Guy Marin, qui euh, m'aiguillait toujours Qu'est-ce qui se passait dans, dans l'industrie touristique? Qu'est-ce qui se passait au sein du bureau? Alors, Pierre a dit dans trois mois, il va y avoir la visite de tous les délégués générales du tourisme du Québec, du monde entier. Il faut qu'il passe chez vous. OK. Fait que là, je m'arrange pour qu'il passe chez nous. Il arrive à le tocar, il monte. La première personne qui descend. C'est Denis Gosselin. Ben, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Puis Denis Gosselin il est habillé avec un col roulé bleu, un blazer et des pantalons gris. Je me rappelle comme hier. Hier. Je lui ai dit, Denis Gosselin, dis-moi, qu'est-ce que qu tu fais ici? Il répond pas. Alors, je monte dans le car, je raconte tous les gens des de, délégués de, 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 de du Québec. On fait, on fait le four, on fait le tour, on a plein de plaisir, on apprend à se connaître. Ça, c'est fait. Pierre a maintenant le vent dans les voiles et plus rien ne peut l'arrêter. Son imagination est fertile et comme dans le passé, il s'adresse aux bonnes personnes pour concrétiser tous ses projets. Je rencontre Mme Madame, euh, Madame Nicole Lamonté, qui est euh, éditeur de la revue Tourisme Plus. Je vais dans son bureau. Euh, Pierre Fauché, je donne un bec. Euh, je connais pas. Pas. Mais qu'est-ce que euh, Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Bien, je je vais Fait que euh, je vais t'amuser et je vais te, te parler de ma cabane. Puis en échange euh, de tes annonceurs, qui, tes annonceurs qui annoncent à ta revue, Tourisme Plus, peuvent venir manger chez nous au temps des sucres. On fait des échanges, 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 échanges d'annonces. Le truc. Ça passe. Cette revue-là passe dans le monde entier, dans toutes les ambassades, dans toutes les délégations du Québec, dans toutes les grossesses de voyage. Ça, ça part, la machine part. Je fais rendez-vous au Canada, je fais, je fais des salons touristiques internationaux, je fais, je fais, je fais tout, je fais tout. Mais tout puis, tout, puis tout, puis tout, puis tout. Le monde mouille à Cabane. Les gens à Rigaud, ça, ça venait de partout dans le monde. C'était vraiment « wow »,« wow ». Il fallait que j'agrandisse, il fallait que je fasse les vieilles granges, je transporte les matériaux reconstruits, ça la bain. Tout à coup, en 1988, mon oncle, mon vieil oncle, annonce que la ferme en bourse est à vendre. La ferme paternelle est à vendre. Ben voyons donc. Il faut que j'achète ça. C'est là où j'ai découvert la vie, la vraie vie avec mon père. On va back dans mon pick-up. Je m'en vais rencontrer mon oncle ici, euh, mon oncle Philippe. Par Apparemment, la, la cabane est à. Votre ferme est à vendre, mon oncle Philippe? Oui, Pierre. la ferme est à vendre. Comment vous, vous demandez pour votre ferme? Je, je serais intéressé à l'acheter. Tu dois faire que ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bien, mon oncle, la garder dans la famille, voyons. Oui, mais Pierre, quand même. Non, mais, je suis intéressé. Marché conclu. Je jette la jette à terre à mon grand-père, en Bosse, Je me sens tellement chez nous ici, tellement le fun. Mais moi, je n'avais pas l'intention de bosser dans une cabane toute. Mais là, mon père m'a raconté des histoires de cabanes, des histoires de des histoires de, de bûcheron, des histoires des camps en bois rond, avec un soir surélevé où il dormait, avec un foyer central de 3 pieds carrés, avec un four à pain où il faisait cuire le pain et les viandes sur le feu de bois. Il racontait ça, il racontait ça, mais ben je me dis ben, Waouh, je suis là sur la terre de mon grand-père, il faut que je boisse une cabane comme dans l'histoire de mon père. Alors, OK, on part, on va chercher des, des, des boirons, du cèdre, on va éplucher des cèdres, on va commencer à bâtir. On, on, on va faire une belle grande cabane, ça va être le fun. Moi, j'étais un rêveur, je un grand rêveur. C est, c est, les rêves m'ont permis de devenir un homme d'affaires, mais je encore un rêveur. J'avais rêvé trop grand. J'avais arrivé trop grand, j'étais. Hey, mon compte était épuisé. J'avais plus, plus d'argent pour finir, pour construire les, les, le, 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 le plafond. Euh, les poutres, les poutres, les poutres du plafond euh, étaient pas moitié finies. Euh, Qu'est-ce que je dois faire? Le mot, mot s'est dit dans le coin, puis. Arrivé pour Merlot, puis Pierre pour Merlot. Ont compris que moi, je suis un développeur de étude touristique. Ils ont compris que je viens m'établir en Beauce. Ils ont compris ils ont compris euh, l'élan que je donne. Ils sont, on s'est rencontrés, puis on ont dit Mais Pierre, euh, parce que je connaissais, je connaissais la femme de Pierre, la femme de Pierre m'a présenté à Pierre, m'a présenté à M. Hervé Pomerlo. Ils ont parlé du projet, de ce que j'avais entamé à faire. Bien, on va aller planter des clous dans de sa cabane, voyons donc. On va finir ça. Ah ben là, j'ai senti la bienvenue de la bosse. Là, j'ai vu la vraie bosse devant moi, en en plein. en plein en plein, en plein de coups de marteau, en plein clou, en plein, en plein de construction. Un bill. Un bill que j'avais jamais imaginé. Je jamais imaginé que ça m'arriverait. Pas de papier signé. Il y avait un mot tendu. Un montant dû, je le payais, payais tant par mois, euh, tant par temps des sucres. Monsieur Pomerleau m. m'a m'amenait des, des, des groupes de, de son entreprise pour m'aider à, à payer, pour m'aider à rentabiliser l'affaire. Alors, alors M. Pomerleau, c'est un, un premier qui est venu mettre les mains ici à, à m'aider, mais tout l'entourage m'a aidé en. en être fidèle de ma clientèle, ma, ma clientèle fidèle de l'entourage au temps des sucres. C'est toujours plein ici, plein de monde qui m'aime, plein de monde qui aime ce que, ce que je fais, plein de monde qui disent, Pierre, tu nous fais découvrir la bourse, C'est chez, chez, chez vous qu'on découvre la bourse, la vraie cabane. J'ai travaillé avec des gens, gens du coin, mais les gens du coin ils disaient, mais oui, mais Pierre, tu T'es d'où, toi? Ben je suis c'est du site? Mais elle dit, ben non, t'es pas venu au monde site. Je dis, ben oui, on danse, c'est la fête de mon grand-père, ben, ben, c'est la terre de, mon -père, la terre de mon, euh, mon père. Ben non, ben toi, t'es pas venu au monde. T'es pas un beau son? Ah ben, mon gosh! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir un beau son? <laughs> <laughs> J'avais trouvé ça tellement drôle. Tellement curieux que. Que non, je t'apprends pas un gars de site, mais j'avais accepté que je n'étais pas un gars de là. Puis il raison, grandi à Montréal. Là, maintenant, ça fait 41 ans que je suis à Rigaud. Euh, à Rigaud, j'ai construit, comme je disais tantôt, j'ai commencé avec une cabane, euh, 40 personnes assises, avec absolument rien, pas d'eau courante même. Là, on est rendu euh, à 650 personnes assises dans quatre différentes salles. Euh, toujours construire avec des granges, du de centenaire, transporté, reconstruit. La tradition est à son pic parce que c'est maintenant un site, un site patrimoine et c'est aussi un site signature Canada, par, euh, signé par la touriste Canada. Et puis, euh, on y passe maintenant. Il y a une boulangerie, y a une cabane à sucre, il y a un magasin général, il y, y, y a une maison de ferme, il y, y a une écurie, il euh, euh, y a tout. Y a tout. Il y a des chalets, des chalets pour passer des fois la nuit dans le bois. Il y a tout, il y a tout, 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 tout. Ici, maintenant, Avec la caméra en, en bourse, on fait autour de entre 25 et 30 000 clients par année. Puis pour la situation aussi dans, dans le fond du rang 2, je trouve ça pas mal bon. Je trouve ça pas mal bon que tout ce monde-là vienne ici, à notre cœur, à des congrès de Québec, ils viennent fêter des, des, des soirées de congrès, des soirées de champêtres. Ah, C'est magnifique. Je suis vraiment fier de mon entreprise ici en Beauce. Ici, à, à La la pierre grâce à toutes mes communications que je fais en Europe, que je fais en Asie, que je fais aux États-Unis, que je fais en Amérique du Sud, Amérique centrale, on voyage pour le tour du monde chaque année. Et puis, euh, à faire les salons touristiques, à faire des foires, invités par... Euh, par euh, des grandes villes euh, européennes, etc. Euh, ça fait que, ça fait qu'à la cabane à pierre, j'ai diversifié ma clientèle. C'est une clientèle cabane à sucre, mars, avril. Clientèle à euh, partir des de fêtes. Clientèle euh, voyage inter international jeune, des jeunes euh, étudiants qui viennent des, des, des États-Unis, qui viennent de l'Ontario. Euh, qui viennent de Colombie-Britannique. Ça, on a environ 250 autocars de ce genre là On a des gens, des touristes qui viennent euh, de, de, de France, qui viennent euh, de l'Espagne, euh, de l'Italie. On a des gens qui viennent des congrès de Québec qui viennent ici en soirée champêtre. Euh, on a aussi développé euh, les gens qui viennent qui arrivent, qui arrivent euh, en, auto, en, en voiture, fly Drive, avec parce qu'on est, hein, est dans les brochures traditionnelles. Je suis répertorié dans 24 différents pays du monde. Euh, on fait des mariages. On fait des mariages, oui, je le veux. Tout samedi, il y a des mariages que les gens apprécient beaucoup. Euh... Finalement, la cabale à pierre, c'est vraiment un succès. J'en je suis... suis tellement fier. Je tellement fier de venir ici. Euh, c'est animé par des musiciens folkloriques. Mon père disait d'écouter la soirée canadienne, mais ici c'est la soirée de leur bosse, la soirée des genres et noirs, le reflet du pays, dont je suis vraiment fier. Même si je ne suis pas un vrai beau Je suis vraiment fier de faire partager le patrimoine de Beauceron au monde entier et aux beaucerons qui, qui viennent fréquenter et m'encourager. J'ai encore des beaux projets, j'ai encore des beaux développements. À faire partager avec le peuple. Euh, j'ai 60. Je voix sur 73 ans, mais j'ai l'impression que je commence. Je suis. Je suis... Euh, derrière moi, il y a mon fils de 41 ans qui va prendre la suite avec sa femme et ses petites. La pérennité la périté de mes entreprises est assurée. Quelle chance. On dirait que dans ma vie, c'est ça qui s'est passé. Tout est arrivé. Mais mon père me l'a dit. Sois fier, sois fort, sois direct. Et les gens vont venir. Pierre Fauché a reçu le titre honorifique d'ambassadeur de l'industrie touristique du Canada. Le livre, Chronique d'une vie enracinée, en raconte davantage sur sa fascinante histoire. Parce qu'il fut marginal et a cru en ses rêves, ses entreprises et lui sont reconnus à travers le monde. Son grand charisme ne laisse personne indifférent et sa jovialité nous pousse vers lui. C'est ça la vie.